Les candidats d'un concours de beauté pas comme les autres répondent aux questions de Radio Salaz. Entre autres, cette fameuse question, selon eux, la définition de First Sweet Lady, Miss First Sweet Lady. Moi, ce sont des valeurs que tout le monde doit apporter et sont des valeurs fondamentales pour vivre et réussir en communauté, dans la société. Alors, pour rappel, donc Indrani, Usolasiamousot, Sainte-Marie. Sainte-Marie, une jeune femme comme vous, parce que nous avons voilà, différentes tranches d'âge pour la First Sweet Lady, parce qu'il n'y a pas forcément de tranche d'âge pour se présenter à cette élection. Une Exactement. activité quotidienne, enfin, activité quotidienne, c'est quoi ou? Ben, moi, dans la vie, ben, je prépare déjà un BTS MUC, Management des unités commerciales, en alternance avec l'hôtel Mercure-Crolia. Donc, je suis assistante responsable de restauration. Et une fois fini ben, mon boulot, quand j'ai terminé, tous les dimanches, tous les week-ends, ben, je suis sur les courses de vélo. Je participe, ben, en fait, pas moi, je participe, mais je suis en tant que spectatrice, c'est un loisir pour moi. Donc, j'ai toute ma famille qui est dedans et c'est ce que je fais de mon quotidien, en fait. Justement, on a 19 ans, ce que vous dites à moi, déjà responsable. Voilà, on a déjà ce côté, on a confiance, on a l'assurance, ou bien vous vouliez chercher encore ce petit plus-là dans ce concours? En fait, comme j'avais déjà participé à une élection humaine comme celui-ci, donc c'est l'élection Miss Sainte-Marie en 2015, donc j'avais peu confiance en moi et justement le fait que je suis rentrée dans ce BTS-là, MUC, Management des unités commerciales, ça m'a apporté encore un plus et être encore de cette élection, ça m'apporte encore confiance, je découvre plein de gens et c'est vraiment la relation humaine que j'aime énormément en fait. Alors, on a des passions. Alors les passants, ben, comme je vous ai dit, ben là, j'aime aller regarder les courses de vélo. Ensuite, je fais la marche régulièrement pour la forme, pour la santé. Et puis, je pars, c'est vraiment les sorties entre amis, les shopping, voilà une fille, les shopping. Hein. Alors, une femme que ou admire et pourquoi? Ben moi, franchement, une femme c'est ma mère. Il y a pas d'autre femme pour moi, mais la seule qui vraiment j'admire énormément, c'est ma mère. C'est grâce à elle que aujourd'hui, ben, je suis là. C'est grâce à elle que je peux réaliser tout ça. Et voilà, c'est la seule, c'est ma mère. Et là où l'a décrit un peu la moi pour une maman, mais similairement là où de décrire à où en tant que femme. Ben moi, ben en tant que femme, ben je suis quelqu'un de très généreuse, comme vous pouvez l'entendre, souriante. J'aime les relations avec les gens justement. Donc du coup, je vois les choses positivement. J'arrive à prendre les choses comme elles viennent. Donc ensuite, je suis une femme très élégante. Donc du coup, dans la vie, j'aime être élégante. Coquette. Voilà, exactement, exactement. C'est tout. Ben, quand je pars à l'école ou au lycée avant, ben, tout le monde me disait, ben, Indrane, mais qu'est-ce que tu as acheté un magasin de vêtements chez toi? J'aime être là, j'aime savoir ben, que je suis présente, j'aime aider surtout, j'aime aider les autres. Voilà. Pour 19 ans, ben, d'autres façons de parler, on a beaucoup de maturité dans la voix et ça s'entend. Bon, on a de l'actualité négative, mais aussi positive. Une actualité récente que interpelle là-haut et qu'on aimerait développer rapidement. Alors, une actualité récente, ben, justement, ben, par rapport à la journée de la femme. Oui. Donc, du coup, moi, c'est très important, surtout en ce moment que je travaille sur la femme au 18e siècle, si je ne me trompe pas. Donc, en ce moment, on est en train de développer la femme en cours. Donc, c'est quelque chose qui, depuis au collège, qui m'a vraiment touchée. Donc, pour moi, je vois que la femme, malgré elles ont pu obtenir le droit de vote, quelques petits trucs comme ça, mais il y a quand même encore des inégalités entre ben, les salaires hommes et femmes. Donc du coup, on est en train de faire des recherches justement en anglais. Donc on développe les inégalités hommes et femmes en anglais sur les différents métiers. Donc pour moi, c'est les droits de la femme. Alors, Miss First Sweet Lady, non, c'est des valeurs. Est-ce que, donc, si, imaginons, on remporte ce concours, quelle sera la cause qu'on va défendre? Est-ce que ça sera forcément avec ce qu'on vient de dire nous, mais on aura d'autres causes qu'on aimerait défendre? Ben moi déjà si je remporte First Sweet Lady, non, donc alors la cause que j'aimerais défendre c'est l'entraide. Donc moi j'aime aider les autres. Donc du coup vraiment être auprès des gens qui sont en difficulté,
apporter confiance, vraiment toute cette énergie que j'ai, d'essayer de leur transmettre ceci pour qu'ils voient qu'ils ont quand même de la chance d'être ici sur ce monde et d'en profiter au maximum. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un aussi de très sensible, que quand je vois les autres qui sont en difficulté, ça me met mal et je ferai tout pour les mettre bien dans ce monde, en fait. Allez, pour terminer, où l'a décidé d'écouter Misty's Étoiles dans le ciel, est-ce que voilà, on a forcément un truc à dire là-dessus ou bien c'est pour le plaisir à vous? Non, ben en fait, c'est pour mon papy, que ça fait déjà 5 ans qu'il est déjà parti et Ouais. c'est spécialement pour ça, en fait. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Donc, candidate à Miss First Sweet Lady, on fait un clin d'œil à Karine Fontaine, à Muriel. Il nous souhaite à vous, bien sûr, bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous. Au Au revoir. revoir. Voilà, point.